par le ministère de la Santé. Et parmi ces missions, nous avons la détection précoce des épidémies au niveau du pays. Ce laboratoire doit participer au diagnostic pour permettre aux praticiens d'organiser la riposte en cas d'épidémie au niveau du pays. Ce laboratoire constitue aussi le lieu de formation, le lieu de recherche pour les biologistes. Et ce laboratoire a besoin d'un personnel qualifié qui a l'expertise nécessaire pour pouvoir diagnostiquer les maladies en collaboration avec tous les autres laboratoires qui sont au niveau du pays. Et nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir le ministère de la Santé et dans le cadre de la riposte au Covid-19, et le laboratoire s'est préparé et compte participer au diagnostic de cette pandémie qui pose un problème au niveau mondial. Permettez-moi de remercier, depuis la mise en place de ce laboratoire, ceux qui ont appuyé le fonctionnement de ce laboratoire, tous les partenaires techniques, tous les partenaires financiers, l'État du Sénégal, le ministère de la Santé et tous les autres organismes qui, au jour le jour, nous appuient pour qu'on puisse jouer notre rôle au niveau du Sénégal. Donc vous êtes à même de faire des tests virologiques? Le laboratoire est à même de faire le test virologique. Depuis le début, nous avons travaillé sur la mise en place du laboratoire de biologie moléculaire qui est aujourd'hui prêt, qui a les réactifs et les équipements de protection nécessaires pour participer au diagnostic. Combien de tests le laboratoire peut effectuer par jour? Le laboratoire peut effectuer en moyenne 200 tests par jour. Donc on peut dire que vous avez un défi à relever? Nous avons un défi à relever. Le laboratoire a une grande ambition. Il y a beaucoup de pathologies. Et jouer le rôle de référence par rapport à ces pathologies, ce n'est pas une chose facile. Donc nous travaillerons avec les autres laboratoires qui sont ici présents au niveau du Sénégal pour que soit le laboratoire de santé publique joue le rôle de référence pour certaines pathologies et les autres laboratoires joueront aussi leur rôle pour d'autres pathologies. Parce que le champ est vaste, la santé elle est énorme et donc nous devons jouer ce rôle. Tous les biologistes doivent être ensemble pour pouvoir jouer ce rôle au niveau du Sénégal. Votre personnel est-il suffisant pour relever cette étude? Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par rapport au personnel. Récemment, une bonne partie du personnel technique a été recruté et nous en remercions les autorités du pays. Il est vrai que la charge de travail qui nous attend nous impose un recrutement d'autres personnels pour qu'on puisse continuer le travail correctement. Vous êtes à combien d'agents?